Bonjour les amis, aujourd'hui ouverture Pokémon avec le coffret Tocorico GX Chromatique. Alors il est tellement grand que ça rentre même pas dans le champ. Alors nous avons 4 boosters, ce sont des ombres ardentes, tous les 4. La promo en jumbo et la promo en carte normale. Alors pour ceux qui veulent lire un petit peu l'histoire, je vous laisse faire pause. Voilà. Et on va s'ouvrir ce petit coffret en espérant avoir une bonne pioche, ce qui serait super. Je peux compléter un petit peu ma série. Hop, allez, hop, ouvre-toi. Voilà, ça on met par terre. Le petit code, je vais le garder et vous me le demandez en privé. Et je vais vous montrer déjà pour commencer la petite promo qui est la SM50, c'est la Tocorico GX. Voilà, très jolie. On a 4 boosters, donc on va se prendre les 4 boosters. Je vous montre la Jumbo qui est la même que la petite mais en grande. Voilà. Et là, nous avons les 4 boosters avec les 4. Ah non, je pensais qu'on avait les 4 illustrations. Ben non, on a Ho-Oh, Marshadow, celui-là, je me souviens plus de son nom, et encore Marshadow. Alors, comme celui-là, c'est celui que j'aime le moins, ça va être Marshadow, mon préféré, ça va être Ho-Oh. On va faire dans cet ordre-là. Alors, souhaitez-moi bonne chance, ça serait super d'avoir une bonne pioche, que je puisse compléter ma série, ça serait super. Alors, s'il vous plaît, croisez les doigts pour moi. Alors c'est parti, on va s'ouvrir celui-là dont je me souviens un peu de son nom. Si vous savez son nom, mettez-le dans les commentaires. Hop, hop. Et c'est parti, on continue. Enfin, on continue. On est reparti pour ça. Le code, comme d'hab, vous me le demandez en privé. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop, hop. Et c'est parti pour cette petite ouverture. Alors, nous avons un Tarsal. Sac de nœuds. Anchoate. Cravagare. Sur son rocher. Sepiatop, qui se promène dans la forêt. Il doit sûrement chercher la Team Rocket. Là, nous avons une énergie métal. Une dresseur à Poissyne. Ouais, ben, regardez la tête qu'elle fait. À mon avis, je me frotterai pas à elle. Hein. Un Floatoutan. Ouais, c'est un singe, quoi. Un super rappel. Voilà. En reverse, nous avons Bourinos. Et en rare, Noctunoir. Bon. Ah, c'est une holo. Vous pouvez le voir. Une holo. Bon, ben on commence déjà avec une holo. C'est déjà pas mal. On poursuit avec Marshadow, que je trouve assez sympathique. Allez, sors-nous une bonne petite carte que je puisse compléter ma collection. Le code en privé toujours. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop. Hop et hop. Et on poursuit avec un Misterbe dans l'herbe. Un Salamèche perdu dans la forêt. Un Marill. Un Feuillajou. Bon, bah, Feuillajou, Floatoutan, tout ça suffit, hein. On vous a vu, c'est bon. Suivant. Un Psystigris, toujours aussi dans la forêt. Ils sont tous dans la forêt, hein, c'est dans cette série. J'aime bien ça. Et voilà, une énergie plante. Un Ortide. Ortide. Une dresseur, nous avons Margie. Elle est mignonne. Une dresseur relais optimiste. Ouais, bah, il n'y a rien d'optimiste avec ce truc. En reverse, nous avons Frison. Et vous voyez ce que je vois?
Et en ultra, nous avons Dracaufeu GX. Ah oui. Oui. Ah ben, j'en reste sans voix. Ah, ce sont des... C'est un bon coffret. Alors ça, génialissime. Ah oui. Une holo, une GX. Il manquerait plus d'avoir une full art. Et là, je serais refait. Alors vraiment. Ah voilà, magnifique. Je vais la mettre là. Comme ça, vous pouvez l'admirer. Ah ouais, elle est magnifique. Dracaufeu. Merchado, merci beaucoup. Tu m'as eu Dracaufeu. On continue avec le troisième booster qui est aussi Merchado. Alors, le summum, ça serait d'avoir maintenant une full art ou une secrète. Alors ça serait le top du top. Deux, trois, quatre, un, deux, hop, hop, et on continue avec un Sauf-Qui-Peut, un Togedemaru, Caraclé, attention, il va nous faire une prise de judo là, hop, un Thiboudet, bof, les moches, voilà. Un Mystèrbe. Bon, t'as déjà vu Mystèrbe, ben c'est bon. Une énergie plante. Guzma. Ouais, bon. Rubombelle. Kirlia. En River, nous avons Hypocéan. Très belle illustration. Et en Ultra, nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Encore une Ultra. Gardevoir GX. Ah oui. Alors ça, j'en reviens pas. Super, super, super coffret. Génial. On va se protéger ça tout de suite. Ah ouais. Vraiment une très bonne ouverture. Il manquerait plus d'avoir une full art là-dedans. Hein. Vraiment. Oh, s'il te plaît. Sors-nous une full art ou une secrète. Je t'en supplie. Allez, s'il te plaît, oh. Une full art ou une secrète. Et ça, ce serait le top. Allez, pour vous récompenser, je vous donne ce petit code. Faites-vous plaisir. Dites-moi ce que vous avez eu dedans. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on continue avec un Porygon. Marill. Woot, woot. Rhydocorne. Tarsale. Une énergie combat. Un Solarok. Une dresseur corde de sortie. Ouais, bon. Un Ortide. En reverse, bien sûr. Corde de sortie. Et en rare, boule de nœud. Bon, bah, boule de nœud. Que dalle. Bah, Marchado. Le booster Marchado sont vraiment les plus chanceux. Ils m'ont donné une Dracaufeu GX et un Gardevoir GX. Nickel. Et on a eu en holo un Octunoir. Alors dites-moi quelle est la carte que vous avez préférée de cette ouverture. Moi je vais vous dire, bien sûr que ça va être la Dracaufeu GX. Bien que j'adore Gardevoir, mais ça va être Dracaufeu GX. Qui est sublime. Génialissime. Et la petite promo qui est Tocorico GX. Alors les amis, si cette ouverture vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Vous me... Laissez un commentaire, vous abonnez à la chaîne, vous partagez la vidéo et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Pokémon. Ciao les amis, ciao 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 ciao!